Et on est de retour, Dead Space Impossible. Alors, la dernière fois on avait bien joué. Enfin, on a failli crever quand même. Mais on avait bien géré. On a notre nouvelle armure, la tenue niveau 4. On a nos armes qui sont quasiment pleines. Tout va bien. On continue. Et on doit aller. On a quasiment fini avec le lieu de forage. On a quasiment fini. On a quasiment fini, il faut qu'on fasse la dernière partie, donc c'est mettre le beacon, la balise, sur le météore là. Enfin le satellite, j'en sais en fait, le bout de terre de la lune, de AEG-7. Enfin AEG-7 c'est quoi? C'est une planète? C'est une étoile là. Non, c'est une planète. Ou une lune. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais plus les différents. Je suis fatigué, ok, il est tard. Ah merde. On est reparti. What the fuck? Ow! Saloperie. C'est bon? Ah les matchs. Ok. Ah la vache. Faites chier les mecs. Les machins qui voulaient tester mon armure, toi. Je vais voir, ouais, on a perdu deux crans, quelques munitions, ouais, ça va. Et les mines, elles restent. Je sais pas. Moi, quand j'ai joué la première fois, elles se sont cassées en fait. Mais je sais pas quand elles se cassent. Par exemple, il y en a une qui a cassé ici. Donc au final, je sais pas. C'est parce que j'avais mis ça trop près, je pense, des mines. J'imagine. Ah, ça m'embête de... être fait toucher là comme un idiot pour pas grand chose. Vraiment débile. Ok, parfait. Mais bon. Après, c'est pas comme si on manquait de munitions, hein. Faut pas exagérer non plus, mais bon. Quand même. On est à 3. Prepping launch tubes.
What was that? The miners must have booby-trapped the launch tubes, too. They're scrap. Well, that's great. We can't just toss the beacon out a window. There's gotta be something. The asteroid. The one in the mining bay is melting. What about it? If I attach the SOS beacon to that asteroid and then launch it away from the ship, we'd get a clean broadcast. And you'd get yourself killed. The machinery in there is still running, Isaac. Then it probably kept those things out, too. This is our best shot, Kendra. I'm taking it. Ah oui, hein. Maintenant il fait tout et n'importe quoi, Isaac. Hein. On va placer la balise de détresse là-dessus. Ah, niveau 3. Nickel. Ouais, le chasseur il revient après quand on revient ici, je crois bien. Voici, ça devrait le faire. De toute façon, je crois pas que je puisse. Attendez, j'ai des points, on va voir. Je crois pas que je puisse le recapaciter en fait. Et oui, j'invente des phrases. C'est pas grave, on s'en fout. Découpeur, le recapaciter. Non, 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 non. Donc on va recharger tout simplement. On a un point, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les dégâts du fusil d'assaut. Ou alors on a ça, les dégâts du tir principal. On peut augmenter, après on a les tirs secondaires, capacité. Le tir principal on l'utilise quasiment jamais, mais c'est vrai qu'il est vachement puissant aussi. Mais bon, maintenant le lance-flamme et tout ça c'est aussi puissant, donc, honnêtement. Ouais, on va augmenter les tirs du fusil. Le fusil d'assaut, c'est le plus bas en dégâts. Parce que ça tire vite, évidemment. Donc, ouais, c'est pas mal de... Ouais, en plus, dégâts, capacité au lieu de rechargement. C'est nettement mieux. Nettement mieux. Okay, très bien. Ça apparemment on n'avait pas pris. Ou alors ça viendrait apparaître. Je suis quasiment certain qu'on l'avait pris ça. Alors si je me rappelle bien il nous faut la batterie. Ouais, doucement. Fait chier, il est derrière la porte. Ok, avec plusieurs morts d'un coup. Très bien. Ok, 10 balles. Ceux-là, honnêtement, ils sont très résistants à cause de leur torse, là. Mais il faut pas rayer la scie, enfin, rayer la scie, qu'est-ce que ça veut dire? Non, faut pas essayer de découper l'armure, en fait, faut découper les bras, et vous avez aucun problème, en fait. Rayer la scie, qu'est-ce que je raconte? Putain, mon cerveau, hein, en ce moment. Enfin, ça va faire au moins un an que c'est comme ça. Ça va peut-être mal finir, hein. Peut-être mal finir, je sais pas.
on va avoir plein d'objets ici. Alors. Nickel. Chose au-dessus ou pas? Non, fais voir un peu l'inventaire. Ah, ça va. Ça va, on a un grand inventaire. Il y en a beaucoup aussi qui jouent au Mega PK et au à ça. Ils font que ça aussi, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui utilisent les mines là, le trancheur en fait avec les mines. Ils les posent sur des objets, comme j'avais expliqué là. Mais je sais pas, moi je trouve pas ça vraiment fun. Pas, non si c'est fun, mais c'est pas précis. Et ça peut être vite dangereux, donc le faire en impossible, non, ça m'intéresse pas. Mais par contre, le faire en MG+, ça peut être drôle. Ouais, c'est les noirs ceux-là. Très résistants. C'est pour ça que j'y suis allé avec, avec l'explosif. Putain, j'arrête pas de tourner la tête quand j'arrête pas de bouger. Après on avait des explosifs un peu partout, hein. on aurait pu tout simplement le faire péter. Hein. Mais bon. Surtout qu'on a stase infinie. Il y a encore un truc ? J'ai pris. Ok, faut faire gaffe là. Parce que là, c'est du one shot. Je sais pas si on avait vraiment besoin de faire ça. Mais... Ah, mais tu te mets droit vers le ciel en plus, c'est cool. Alors là, on a l'oxygène et la stase si besoin. Ah, y a pas de débris. Allez, montre tes tentacules, toi. On a 107, ça va. On peut s'amuser à faire le tour. Caution. Gravity tether disengaged. 60 secondes. On a de l'oxygène à droite aussi, on a une caisse. Une tentacule déjà, je crois. Ah la...
notre IRP pas nous tirer dessus. Ok. 40 secondes. Quel, combien? 81 balles, ça va. On n'en utilise pas beaucoup. Warning. Payload 8772 is no longer tethered. Untrained personnel must leave the mining bay immediately. Tethered. Je connais pas ce mot. Je l'avais déjà entendu, mais... Je rattachais. Alors sûrement ça veut dire ligoté, j'en sais rien. Tadder. Faudrait que je regarde ça. Bon, on est bon. On peut rentrer. On va placer la balise. Et on est bon. Alors normalement les trucs ne fonctionnent plus, on est d'accord. Ah, les griffes, là. Non, les griffes ne fonctionnent plus. Très bien. Mais bon. Tout récupéré, tout va bien. Stase au max. Vous voyez pourquoi c'est bien que le découpeur soit puissant en fait? Car ça les... ça leur fait tellement de dégâts, en fait ça les stunlock aussi. Donc ouais, parce que là il allait taper et du coup il a été repoussé par le... Ah putain, je peux pas prendre là. Ça l'a repoussé par la scie en fait. Donc, c'est pas mal. Après, vous pouvez utiliser le méga PK comme une sorte de fusil à pompe. Ça aussi, c'est très très bon. Stick around. Ou alors, ça c'est la version anglaise. Ou sinon, aiguise-moi ça. C'est pas mal aussi. Mais bon, on lance pas des couteaux, donc du coup, c'est pas vraiment... marche pas vraiment. Réplique de Predator, évidemment. Du premier Predator. Hein. Stick around, c'est bien parce que ça marche sur tous les objets pointus. Et j'ai perdu ma griffe. Oh la merde. Ah oui, ça. Il va faire chaud maintenant. Merde. Je sais pas s'il y a des bestioles qui viennent. Ah bah toi peut-être. Merde. 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 Isaac, merci.
Merci, Isaac. Alors. Mais bon. J'ai un truc qui est accroché à moi, je crois. Alors, ça. Ça. On va déplacer. 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 On est bon. On a que 17 000, donc on va laisser ça de côté. On va pas prendre de points, ça, comme d'ailleurs. Ok, on a des 6 supplémentaires. On a un des 6 encore en stockage ou pas? Oh, putain. Oh, la vache. On a quelques-unes. Je devrais peut-être faire une vidéo pour aider les gens, enfin dire plein de d'aide pour le mode impossible. Ça pourrait être utile, je pense. Genre une petite vidéo de 5 minutes où je dis les choses qu'on peut faire. Genre la capacité, tout ça, les types d'armes. Ça peut être intéressant, je pense. Mais je le ferai quand j'aurai fini. Comme ça, je pourrais montrer les choses qu'on peut débloquer. Mais bon, il y a sûrement 50 milliards de vidéos déjà. C'est pas vraiment le fait de le faire pour être genre le premier. Clairement pas le premier. Mais genre ceux qui regardent mes vidéos en impossible, parce qu'il y en a qui m'ont demandé tu pourrais enregistrer tes vidéos en impossible et les montrer. J'ai du mal et tout ça. Ok. J'ai gardé deux stases. Ouais. Okay. J'ai gardé deux stases parce qu'on a une saloperie qui va arriver. It's working. The beacon's online, broadcasting wideband. I'll align the receiver. This will take a minute. Head on back to the tram station. Hazardous anomaly detected. Quarantine activated. Quarantine scared with that hunter there. The system can't lift the lockdown. Override the vehicle's door release. I'll try. Pêche-toi. Ah oui, quand il est en train de se recharger, ça marche pas. Mais bon. Juste pour le fun. Ok. Normalement on est bon, on est safe. On a bien travaillé, on va sauvegarder juste au cas où. Comme j'ai dit, hein. Jamais à l'abri d'un crash. Même d'une coupure de courant, ce que j'ai pensé, c'est tout con. Hein. Coupure de courant au mauvais moment. Okay, c'est parti. Retour.
retourner à la station du tram. Alors, est-ce qu'on avait besoin? I think it's gone, but I can't be sure. The system's bugged out again. I'm getting those camera glitches, the ones that look like my brother waving at me. At least the beacon's away. I'm aligning the. Wait. Array receiver not responding. Oh shit. The comms array. We never fixed it. Guess it wasn't a broken encoder. Then let's hope that 48 hours estimate was wrong too. No comms, no rescue. Take the tram to the bridge. I'll hack open the door to communications. You see what's happening with the array. And don't worry about Nicole. Like Kevin said, she'll do the smart thing. Est-ce que c'était nécessaire de balancer un truc de feu? Sûrement pas. Mais c'était classe. Mais c'était classe, faut l'avouer. J'aurais pu même balancer une punchline. Genre... attention... je sais pas, pense à la crème solaire. Putain, j'avais oublié un truc là. Genre, je sais pas, un truc comme ça, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être pas mal. Bon, personne qui veut... Non, c'est bon. Après, on peut y retourner hein, pour voir si on a des objets. Mais je sais pas si le chasseur sera encore là, honnêtement. Et je vais être honnête, c'est pas pour quelques petits trucs. Pas vraiment besoin quoi. Ouais, on est bon, on a 19 000, c'est pas mal. On a des points ou pas du tout? Non. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se concentrer sur l'objectif secondaire. Cherche. Alors, avant de se rendre sur la passerelle, on va faire du secondaire. Alors, trouver le rapport de la passerelle, trouver le rite de Rousseau. D'abord faire le rite de Rousseau. Ah, du coup, c'est de l'autre côté, c'est ça? Ah, en fait ça se passe bien, hein. Ils ont bien fait les quêtes principales et secondaires, hein, parce que vous voyez que il nous faut genre la porte niveau 3, enfin la clé pardon, et du coup on la trouve et c'est juste en face en fait Rousseau, c'est super bien fait au final, vous pouvez facilement enchaîner les choses, je crois qu'on n'est pas seul, ça a l'air d'aller, ouais vous pouvez vraiment enchaîner les choses, ça c'est vraiment bien.
passer par là. Ah, je sais pourquoi je pouvais pas passer par là la première fois que j'ai joué. C'est parce que j'ai désactivé la... Parce que j'avais désactivé la porte en fait. Je crois de l'autre côté. Ah, ça va gueuler là. Ok, très bien. Je me rappelle la première fois, j'étais passé plusieurs fois ici. Dans cette zone. En pensant qu'on pouvait ouvrir les portes et tout ça, au final je faisais des allers-retours pour rien. Voilà, nickel. The only thing I remember clearly is that engine inspection. I went into the chamber, and instead of the primary engine, there was a heart. A heart the size of the room, just pumping and pumping. Then Anderson said something, and when I looked back, it was a machine again. But I can still hear that pumping in the distance. It's almost peaceful. That help me sleep? Oh, if I can get close enough. Yeah. Go right inside, maybe, where it's warm and dark? Ooh, yeah. That makes sense. Ouais, enfin non, ça... C'est des machineries, ça va... C'est pas une bonne chose. Ok, du coup, on n'a pas besoin... de rester plus longtemps ici, je crois. On a une porte 2 là. On a une porte. Non, on a une pièce. Non, on va aller récupérer. Non. Je vais pas y utiliser encore de la stase. Quel idiot. On va faire ça. Ok, let's go. On va d'abord récupérer notre laissez-passer, puis après on fera les portes niveau 3 et étoiles. Sur internet ou sur YouTube, vous pouvez trouver genre une des personnes qui avait travaillé sur Dead Space, l'original, qui faisait partie de Visceral Games, qui a testé le jeu et tout ça. Le mec a l'air vachement sympa, il a beaucoup aimé. C'est pas Glenn Schofield, hein. C'est pas Glenn Schofield. Mais ouais. Glenn Schofield qui a vraiment pris la grosse tête. Hein. Je crois pas quoi. Essayer de vendre Callisto sur le fait qu'il ait travaillé sur Dead Space. Quoi. Ça me rend fou. Bah ça a marché. Les ventes de Callisto elles sont bonnes. Hein. Les reviews sont mauvaises, hein, mais les ventes de Callisto sont très bonnes. Hein. Je crois qu'elles dépassent même Dead Space en général. Je crois, enfin pour les premiers jours en tout cas. Mais bon, Dead Space va gagner en tant que vente parce qu'avec les bonnes notes et la bonne réputation. Mais ouais, c'est quand même fou. Ça, c'est un peu comme... genre, regardez sur Steam ou regardez Call of Duty. Le dernier Call of Duty, je crois qu'il est genre massivement négatif, un truc comme ça. Bon, mais le truc, il y a... Je sais pas, genre 100 000 reviews, en fait.
Donc ça veut dire qu'au moins il y a 100 000 personnes qui ont pris le jeu, vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y en a pas que 100 000, et ça c'est juste sur Steam en plus. Donc au bout d'un moment, il y en a qui font des jeux, ils font n'importe quoi, mais ça se vend quand même, ça fait énormément d'argent, donc on s'en fout quoi. Bah ils s'en foutent. Mais bon. Allez, on est reparti. C'est comme ça maintenant. Mais ouais, mais là ça va être bien pour Electronic Arts, ça va un peu les remuer pour Dead Space. Et ils vont se dire, ah mais les jeux, première... solo, les jeux solo... Ah, c'est pas si mort que ça, parce que c'est eux qui avaient dit que les jeux solo étaient morts. Je crois bien. Donc ouais, motivation pour le 2 et le 3. Attention au jumpscare aussi. Je me demande s'il y a vraiment quelque chose qui tourne autour et qu'on peut le voir. Normalement, il y a des ouvertures, mais il n'y a rien du tout qui bouge à l'extérieur. Donc, je crois pas qu'il y ait vraiment de menace. C'est juste... pour faire peur. We did it. Hep, Isaac, a ship just shot in. The USM Valor, they must have heard our SOS. That fast? What's a military ship doing way out here? Out on patrol? Whatever, right now I take a rescue from a fucking magpie. Head for communications. Once we fix the comms array, we can get all the answers we need. Magpie. C'est un oiseau, ça. Là, on a ça à récupérer aussi. Je crois que c'est ça le rig du communicateur, la communication. Trouver le rapport sur la passerelle. Trouver le rig de Bailey. Oh, pas. Je sais pas. On va voir. Je sais plus si on a tous les rigs disponibles ou pas. Enfin, si on a tous les rigs ou pas. Peut-être pas, hein. Pas encore. Il en manque peut-être deux. Ça va, il n'y a rien, tout va bien. Je pense qu'on va recharger le lance-flamme. Ou alors j'utilise le laser un peu. Des explosifs. Reste encore un truc.
Pas mal. Quarantine lifted. C'est bien ce laser. Another one. I'm getting weird feedback spikes on local comms. Whatever's wrong with the comms array is spreading? No, that's not it. So, the door to communications should be open. You can head down to the comms control station. And Isaac, watch what you say. I think someone's listening in. Elle nous avait pas dit ça déjà? Log retrieved. Fine, then we'll waste more time and record this. Satisfied? No, I'm not satisfied. We have a dead miner. We can't sedate Brant Harris. Wasn't Harris originally your patient? Could have warned us that he'd go berserk. Captain, Harris mentioned that we don't fully understand. He was making progress until Dr. Mercer took his case over my objections. I've read that. Frankly, this vendetta against Dr. Mercer just sounds like more of your bigotry. My what? Do you deny that you've counseled members of our church and turned them against Unitology? I'm telling you that Mercer's treatments are immoral and dangerous. And why does he keep taking Harris to hydroponics? Medical is a sanctuary, not Mercer's private lab, so stop covering for him. More accusations and still no proof. You know your way out. He won't stop with Brant Harris, Captain. You know that. Le fun. Related rig activity. Le fun de travailler que avec des extrémistes unitologistes quand même, hein. C'est bien, hein. Genre ils font passer leur religion par-dessus tout en fait. Donc du coup. Et puis ils sont très dangereux évidemment, ils ont pas peur de tuer. Tout ça. Ok, on a fait ça. Nos armes. Genre qu'est-ce qu'on peut améliorer? Parce que j'ai regardé mais j'ai pas vraiment regardé. Donc là on a lance-flamme. Lance-flamme découpeur laser. Alors, lance-flamme, découpeur, donc découpeur pas pour le moment, lance-flamme, on a un capacité, on a des capacités là-bas, mais c'est loin, très loin, c'est au moins 4 points. Le laser, 3 points pour la capacité. Après moi j'aime bien ça, en fait, le dégât de tir principal, augmenter les dégâts de tir principal, mais bon. Je pense qu'on est un peu bloqué pour le moment. On va devoir. Tout simplement recharger. Après, on a beaucoup de munitions. Honnêtement, je crois qu'on peut finir le jeu avec ce qu'on a. On va juste regarder le store. Store. Bon. Très bien. Alors, 3 soins, c'est très bien. On va. Beaucoup de laser. Beaucoup de laser. Ça, on vire. Ok. On est pas mal comme ça. À réparer l'antenne. Sinon, on a quoi d'autre? Fouiller les cultures hors sol. Trouver le rig de Bailey. À la communication, montrer sur la carte. Ouais, c'est où ce qu'on doit aller, d'accord. On verra ça après, pardon. Montrer sur la carte.
On peut retourner là, mais je crois que... Il y a des salles... Ouais, il y a étoile et trois. Ouais, ça sert à rien. On y retournera quand on pourra tout faire, en fait. Ouais, il y a niveau 3. Bon, on peut l'ouvrir, évidemment. Et puis ça, on peut aller le chercher aussi. Mais l'étoile, le coffre étoile, on pourra pas. Il est là, le coffre étoile. Donc, du coup, on se concentre sur les rigs. Si je dis pas de conneries, il nous faut encore des rigs. Hein. D'accord. Sauvegarder. Wow, vous avez vu, le vaisseau il tremblait. Il y a ma manette en fait, elle faisait que trembler. Et vous avez vu, il y a les morceaux qui se baladaient droite-gauche. Sympa ça. On va s'arrêter là, pas notre épisode. On a bien avancé, assez rapide. C'est bien passé. C'est super bien passé. On continuera prochaine fois, on essaiera de finir les rigs. Et après faire le secondaire. Et après, c'est ligne droite vers la fin, honnêtement. Ligne droite vers la fin. Donc ouais, c'est possible de faire vraiment impossible, le mode impossible à 100% en une fois et tout ça. Ouais non, ça se passe. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.